des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, c'est alors. La vie de l'homme est comparable à l'herbe, ou plutôt comme une fleur qui fleurit au milieu des champs. Dès que le vent souffle sur elle, elle nous quitte, et l'endroit où elle se trouvait n'en garde aucune trace. La miséricordieuse bonté du Seigneur s'étend pour toujours sur tous ceux qui le craignent. Pour celui qui le respecte et qui observe ses commandements, le Seigneur lui réserve sa place au paradis. Et son royaume s'étend à tous. Il a plu à Dieu Tout-Puissant, dans sa grande bonté, de rappeler à lui l'âme de notre très chère sœur, Catherine Earnshaw Linton. Nous remettons donc son corps à la terre. La terre à la terre. Les cendres aux cendres. La poussière à la poussière. Dans l'attente de la résurrection à la vie éternelle, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre vil corps devienne partie de son être, conformément à sa loi et à sa puissance. Il nous semblait à tous qu'il y avait bien longtemps que nous attendions le retour de M. Earnshaw. Il arrivait de Liverpool et nous l'attendions pour le souper le troisième soir. Mais la nuit était tombée depuis longtemps et nous étions fatigués de courir à la porte d'entrée pour voir s'il arrivait. Nous étions assis avec Mme Earnshaw, qui nous aurait tous envoyé nous coucher si nous ne l'avions pas supplié de nous laisser veiller. Car le maître nous avait promis à tous un cadeau. Un violon pour Hindley, une cravache pour la petite Cathy, des pommes et des poires pour moi. Pourtant, je n'étais que la servante. Cathy? Cathy, réveille-toi, ton père vient d'arriver. Chut, 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 chut. Oh, papa, tu m'as rendu mon violon. Un peu de patience, mes enfants. Laissez-moi le temps d'arriver, voyons. J'ai l'impression que vous allez me mettre en pièce. Tu m'as rapporté mon violon, papa. Mais laissez-le. Votre père est exténué, il faut le laisser reprendre son souffle.
Vous verrez tout ça bien assez tôt. J'ai mis 2 jours entiers pour revenir. Les routes étaient si mauvaises. Ah. Ce que je vous ai rapporté n'est pas exactement ce que vous attendiez, mais c'est un don du ciel. Plutôt un don du diable. Je ne veux aucun prix de ce bohémien ici. C'est pas un bohémien. Ça m'est égal ce qu'il est. Débarrasse-toi de lui et que je ne le vois plus. Tu le laisserais mourir de faim? Pourquoi pas? Il ne m'est rien. Qu'est-ce que cet enfant a de plus que les autres? Pour que tu le traites avec tant d'égard et de générosité. Rien. Sauf que je l'ai trouvé à Liverpool, seul et abandonné. Tu as dû trouver beaucoup plus encore. Il n'est pas nécessaire que tu ramènes tes bâtards ici. T'es trop intelligente. Et toi, pas assez. Est-ce que tu vas le faire travailler? Oh, pas plus que les autres. Nous avons perdu un garçon. Eh bien, Dieu merci, nous en avons un autre. Il peut devenir leur frère. Ce sera facile, je suis sûre qu'il l'est déjà. Ah, Nelly, fais-le se débarbouiller. Emmène-le dormir avec les autres. C'est quoi son nom? Son nom? Appelle-le Heathcliff, comme notre premier garçon. Il lui ressemble un peu. Allez, va te coucher. Mais il est cassé! C'est lui qui l'a cassé! C'est lui! Sale bohémien, c'est que ta faute! Je te jure que tu le paieras! Si ça ne t'ennuie pas, tâche d'être poli. Fais-lui meilleure figure et va dormir! Pourquoi est-ce qu'il me l'a cassé? Il n'a rien cassé du tout. Et maintenant, va dormir! Pour ce que nous avons reçu ce jour, sois remercié, Seigneur, du fond du cœur, toi, le Créateur du ciel et de l'enfer, et devant le trône de qui tous les hommes tremblent et pâlissent. Puisses-tu nous rendre éternellement reconnaissants, et puissions-nous nous réjouir dans ta miséricordieuse bonté. Amen. Amen. Bien, petit, j'ai emmené Heathcliff jusqu'à Gimmerton. Nous prendrons le fusil et nous verrons si nous pouvons trouver du gibier en chemin. Je viens avec vous. Ah, peut-être, on va voir. Joseph, n'oublie pas de me rapporter quelques navets pour le soir. Avec vous, Cathy, je t'en prie, ne fais pas tant de bruit. Pourquoi tu ne vas pas avec eux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, dis-moi ce qu'il y a. Mon chéri. Écoute-moi bien. Je sais qu'il ne m'arrivera rien, mais s'il m'arrivait quelque chose, n'oublie pas. C'est toi, toi seul qui es le fils dans cette maison. Tout doit te revenir, mon petit, la terre. Enfin, tout ce qui est ici, tout doit te revenir. Tu entends tout. Quel besoin as-tu de parler de ça, ce garçon? Personne n'est encore mort, que je sache. Promets-moi que notre fils aura tout le bien qui lui revient. Promets-moi que tu ne lui... Tu préféreras aucun autre. Ne te préoccupe pas, Marie. Devant Dieu qui nous observe, je te jure que Hindley aura ce qui lui revient. Peut-être même davantage. Viens, petit. Alors, viens. Dès le début, en dépit de l'amitié croissante de Cathy pour Heathcliff, j'ai vu que sa présence apportait la discorde dans la famille. Moins de 2 années après l'arrivée d'Heathcliff au haut de Hurlevent, Madame Earnshaw était morte, sans jamais lui avoir adressé un mot gentil. Hindley, qui se sentait très seul après la mort de sa mère, avait toutes les raisons d'en vouloir au maître pour l'affection qu'il portait à l'enfant. Il en était arrivé à considérer son père plus comme un tyran que comme un ami. C'est à propos de votre fils que je suis venu vous voir. Hindley? Je ne suis absolument pas étonné qu'il vous donne des soucis. Mais pas du tout. C'est un bon élève qui travaille bien. Nous n'avons que des satisfactions. Tant mieux. Je serais très heureux de pouvoir en dire autant. Pourquoi êtes-vous toujours si... Si dur avec Hindley? Oui. Il ne reçoit pas plus qu'il ne mérite. Je pense, quant à moi, qu'il mérite plus qu'il ne reçoit. Il n'arrivera jamais à rien. Il le pourrait, si vous le laissiez aller au collège.
collège. Un homme a besoin de recevoir une éducation de nos jours. L'important est simplement qu'il soit un homme. Allez-y, je vous écoute. Combien est-ce que ça me coûtera, cette éducation, si nécessaire? 60 livres, monsieur. Quoi? Par an, naturellement. Comment, 60 livres par an? Pour quelques années seulement. Et je peux vous assurer qu'elles ne seront pas gaspillées. Je crains que ce soit beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Que voulez-vous, mes leçons ne sont pas gratuites. Je ne vous reproche pas les quelques pénis que je vous donne, mais 50 livres. Non, disons 60. Je suis sûr que si votre chère femme était encore de ce monde, c'est ce qu'elle aurait souhaité. Personne pour York? Je crois que j'ai été la seule à regretter son départ. Allons monter, pressons un peu. Pendant les années qui suivirent, je me suis un peu consolée parce que le maître en l'absence d'Hindley était moins irritable. Mais après un certain temps, sa santé déclinante le rendit malheureux et hargneux. Nelly! Nelly! Feu s'éteint. Remets des bûches. Vu que je meurs deux fois. Et ainsi, j'ai soigné notre maître. Tandis que Cathy et Heathcliff promettaient de devenir aussi rudes que sauvages. En ce temps-là, ils semblaient n'avoir besoin que l'un de l'autre, tant leur amitié était profonde. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas toujours être aussi gentille, Cathy? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être toujours un bon père? Oh, je ne voulais pas dire ça. Je vous demande pardon. C'est l'heure de la prière. Montez dans votre chambre. Vous direz votre prière tout seul ce soir. Bonne nuit, père. Va te coucher, Cathy. Allons, viens. Père. Qu'est-ce qui se passe? Père. Laisse-le, mon garçon. Thank you.
la voiture, Nelly. Sindley. Ton ruban est dénoué. Nelly? Oui? Tu es très bien comme ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Cady. Voici Frances, ma femme. Cathy, je sais. Voici Joseph, notre serviteur. Et Nelly, qui s'occupera de toi. Morte, je reviendrai te hanter sous la forme d'un coucher de soleil. Non, peut-être pas. Je crois que je préférerais être la pluie et le vent. Un vent d'orage pour te battre. Tu ne trouves pas que c'était bien mieux avant? Avant quoi? Hindley. Tu me jures que tu ne t'en iras pas d'ici sans me le dire. Tu te souviens? La pierre du lutin. Tu te souviens que nous avons juré de ne jamais nous quitter? Si tu pars, tu ne dois pas me laisser ici. D'accord. Jure-le là-dessus. C'est très sérieux, je veux que tu me le jures sur cette pierre. Heathcliff. Jamais je ne te quitterai, je te le jure. Ni cette maison. Ni cette maison. Sauf si c'est toi qui m'en chasse. Jamais, Heathcliff. Et je te jure, moi, d'être toujours ton ami, quoi que tu fasses. Et de n'aimer aucun autre garçon que toi, aussi longtemps que je vivrai. Si nous ne respectons pas ce serment, que nous soyons emmurés vivants sous les rochers de Penistone Craig et que nos corps pourrissent tous les deux ensemble. Nelly, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à la cuisine. Ah, Joseph. Oui, maître. Toi aussi, tu mangeras à la cuisine. Et vous,
pourrez dormir dans les pièces au-dessus. Au-dessus de quoi? De la grange. Ma femme et moi voulons la maison pour nous. Trois couverts suffiront. Joseph. Oui, maître. Maintenant que je suis là, Heathcliff devra gagner son pain s'il veut rester ici. Traite-le comme les autres, qu'il travaille aussi dur. Oui, maître. Ah, et puis, aucune faveur. Père est mort maintenant. Bon, alors allons-y. À table. Allez voir chez les Linton. Oh oui, allons-y. Allez, viens. Je me demande comment tu peux jouer juste quand tu chantes si faux. Comme il le mérite. D'où les temps, monsieur ? Un garçon et une fille. S'attaquer à la maison d'un juge. Et le jour du sabbat, en fait. Je les ferai pendre. Ferme la porte, Tom. Si tu lui fais mal, je te jure. Lisbeth, viens une seconde. Ne crains rien. C'est mademoiselle Earnshaw. Je n'arrive pas à comprendre. C'est elle. Elle habite les hauts de Hurlevent. J'espère qu'elle n'a rien. Nous ne sommes pas responsables. Elle ne devrait pas se trouver ici. Il me semble que c'est le jeune vagabond que Earnshaw avait ramené de Liverpool. Faites attention à ce que vous dites ou je vous coupe la langue, espèce de... Je te le dors. Je ne partirai pas d'ici sans elle. Thank you.
sermon était remarquable. Merci. Venez d'en dîner mercredi. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Cathy serait heureuse de rester encore quelques jours avec nous. Cela ne vous ennuie pas, j'espère. Oh, si cela n'est pas un poids trop lourd pour vous, madame Linton. Oh, au contraire. Nous serions ravis, et les enfants aussi. Princesse m'a dit que son séjour chez vous l'avait complètement transformé. Oui, tu seras très étonnée, Hindley. Grâce à madame Linton, cette sauvageonne a acquis les manières d'une dame. Et c'est comme une dame qu'elle sera reçue à son retour. Je vous promets que vous n'aurez plus rien à nous reprocher. Tu as l'air mauvais, ou tu pourras au moins sourire. Est-ce que tu m'as oublié? Voyons, Heathcliff, approche et serre-lui la main. C'est permis dans les grandes occasions. Tu sais, je n'ai pas voulu te faire de la peine, seulement tu es si sale. Approche et serre-lui la main. Approche, qu'est-ce que tu attends? Reste ici. C'est comme ça, il y a plus de 10 ans que j'attends, et je te jure, tu vas t'en souvenir. J'ai très faim, tout à coup. Très mal. Viens, laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Oh, Nelly, il est blessé. Il faut lui faire un bon soin. Ne restez pas ici, Cathy. Votre frère vous attend. Oh, mais je ne peux pas l'abandonner. Cathy, laissez-moi m'occuper de lui. Il faut que vous retourniez là-bas, sinon il vous chassera. Oh.
Je vais très bien. Je vais très bien. Je vais laver tes plaies avec de l'eau tiède et je mettrai un peu d'huile. Alors, je l'aurai, je sais pas quand, mais je te jure que je l'aurai. Il le paiera, Nelly. Oh, il le paiera, non. Il le paiera, cette non, brute. Non, tu ne dois pas dire des choses comme ça. Non, ce qui est fait est fait. Il faut pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Heathcliff, c'est à Dieu de punir les méchants. Oh non, parce que Dieu n'aurait pas autant de satisfaction que j'en aurais. Oh. Qu'elle mourra avant l'hiver. Quoi? Le docteur dit qu'elle ne passera pas l'hiver avec ce qu'elle a. Et le maître veut que vous vous occupiez du bébé. Comment va le bébé? Il courra bientôt partout. Mais il paraît que le docteur Kenneth... Je me fiche de ce que ce pauvre docteur Kenneth peut dire. Frances est solide comme un roc. Elle se remettra. Avant une semaine, elle sera debout. Je vais monter la voir. Nelly. Attends. Si tu y tiens, vas-y. Mais essaye de l'empêcher de parler sans arrêt comme elle le fait. Il n'y a pas moyen de la faire tenir tranquille. Et Kenneth dit qu'elle doit absolument se reposer. Hindley, je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que tu sois désolée? Oh, prends bien soin de mon enfant, ma petite Nelly. Donne-lui du lait chaud et bien sucré. Je te le confie. Je l'aimerai comme le mien. Et maintenant, il faut vous reposer. Si vous continuez à parler, le maître ne viendra pas vous voir. J'ai promis que je ne parlerai pas. Mais je ne suis pas sûre du tout que je ne lui rirai pas au nez. Oh, pauvre Hindley, il prend tout cela tellement à cœur. J'obéis aux ordres du médecin, je lui parle à peine. Et chaque fois qu'il part de cette pièce, oh, il pleure. Notre bien-aimée maîtresse est au terme de son voyage, monsieur Hindley. Allez, poussez-vous un peu si vous voulez pas que je vous vide le carafon sur le dos. J'ai encore soif. Il n'y a rien de meilleur, à mon avis, qu'une bouteille de vin pour embellir la vie. Allez, donne-moi les cartes. Restez tranquille, ne vous occupez pas d'eux. Belle. Oh, qu'est-ce qu'il attend, Hindley, pour nous débarrasser de tous ces gens?
Comment est-ce que je peux inviter quelqu'un chez nous? Les gens convenables ne viennent plus ici. C'est effroyable. Je ne sais jamais ce que je dois faire quand je vais chez les Linton. Ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans la maison. Oh, Nelly, Nelly! Qu'est-ce qui t'arrive, petite sotte? Je ne vais pas te dévorer. Ne me touchez pas! Ou mon père viendra vous demander quelques explications. Inglé, comment oses-tu? Il ne dira rien s'il veut continuer à travailler pour moi. Peut-être que ça lui est égal. Et peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres qui pensent comme lui. Espèce de petite garce, tu m'es arrivé. Où veux-tu aller comme ça? Tiens, mon sac. Edgar est un jeune homme très sot, mes enfants. Oh, maman, vraiment. N'avez-vous pas remarqué comme il était triste cet an dernier? Isabelle, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Oh, mais si. Grotesque. Et il avait complètement perdu l'appétit. Je lui ai dit l'autre jour, pourquoi ne vas-tu pas là-bas? Mais il n'a pas osé. Maman, je t'en prie. Je me demande ce que Cathy va penser de moi. Qu'aimeriez-vous que je pense, Edgar? Où est-ce que tu vas? Nulle part. Alors pourquoi t'es-tu habillée comme ça? Tu vas sûrement être étonnée, mais la plupart des gens se lavent tous les jours et ont des vêtements corrects. Mais pas toi. À partir d'aujourd'hui, si. Est-ce que tu vas encore chez les Linton? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tu y as passé déjà toute la semaine dernière. Je ne te vois plus jamais. Eh bien, tu me vois maintenant. On n'est pas l'air de ne pas comprendre. Cathy. N'y va pas. Oh, tu es tout sale. Enlève tes mains. Je ne sais pas ce qu'il y a. Débarrassez-moi le plancher, plus vite que ça. C'est bientôt fini, cette histoire. Je ne veux pas de bagarre dans ma paroisse. Je vous connais ainsi que votre capitaine. Vous serez fouetté si vous recommencez à vous battre. Alors, venez. Hindley. Qu'on le garde. Edgar Linton m'a demandé de l'épouser. Qu'avez-vous répondu? J'ai dit oui. Je vois. Est-ce que vous l'aimez? Bien sûr que je l'aime.
Pourquoi est-ce que vous l'aimez? Je l'aime, c'est tout. Et il m'aime aussi. Et il est riche. J'aurai tout ce qu'il faut. Des domestiques, des femmes de chambre. Je serai la plus grande dame de toute la région. Eh bien, si vous aimez Edgar, s'il vous aime aussi, ça me paraît très simple. Vous serez très heureux. Oh, j'en suis certaine, Nelly. Mais... Mais... Là, et là, je me dis que je ne devrais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Nelly? Moi, je ne pense rien du tout. Oh, si, je te connais. Je suis sûre que tu penses à Heathcliff. Eh bien, quoi, Heathcliff? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, Nelly. Personne ne pourrait épouser Heathcliff. Il est tellement... C'est un animal. Ce serait un désastre. Où irions-nous? Que ferions-nous? Nous serions obligés de vivre comme des mendiants. Ce serait terriblement dégradant. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? C'était Heathcliff, derrière la porte. Oh, mon Dieu. Est-ce que tu crois qu'il a entendu? Sais pas, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Je l'ai vu juste à l'instant. Non, Nelly! Heathcliff! 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 Oh, Joseph, tu n'as pas vu Heathcliff? Il n'est pas ici? Non. Allez! Nelly, tu crois qu'il se cache quelque part? En tout cas, s'il se cache, on ne le retrouvera que s'il veut qu'on le retrouve. Je dois lui parler, il faut qu'on le trouve. Est-ce que tu crois qu'il nous a entendus? Mais pourquoi vous vous inquiétez tant? Nelly, c'est Heathcliff que j'aime, pas Edgar. Mais tu n'as donc rien compris? Mais alors pourquoi? Parce que c'est la seule et unique chance que j'ai de soustraire Heathcliff à ce vieil ivrogne d'Indley. C'est la seule façon pour lui et moi d'être libres. Vous prendriez l'argent d'Edgar, est-ce que j'ai bien compris? Très bien, oui! Mais pourquoi est-ce que tu crois que j'épouse Edgar? Oh, je sais, il m'aime et ce sera merveilleux et agréable d'être sa femme. Et je l'aime aussi, mais d'une façon différente. Nelly, ce n'est pas seulement de l'amour que j'ai pour Heathcliff. Je ne pense qu'à Heathcliff. Tous mes actes et tous mes gestes sont pour lui. Il est ma seule raison de vivre. Thank you.
d'un fantôme. Elle est pas malade, au moins. Je ne veux pas de malade dans ma maison. Cathy, qu'est-ce que tu as fait dehors toute la nuit? Elle devait courir après les garçons, comme d'habitude. Est-ce que tu étais avec Heathcliff? Je ne l'ai pas vu. Parce que si tu étais avec lui, il peut faire ses bagages et fiche le camp tout de suite. Je ne l'ai pas vu, je te dis. De toute façon, je ne supporte plus que ce démon traîne chez moi et j'allais lui dire décamper. Eh bien, tu n'auras pas ce plaisir parce qu'il est déjà loin. C'est une très mauvaise fièvre, Nelly. Évite que les autres viennent la voir et donne-lui juste du petit lait et de la tisane. Vous viendrez peut-être demain. J'essaierai. Mieux d'aller voir ta maîtresse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle crie comme s'il y avait le feu. Puisque tu l'entends, qu'est-ce que tu attends pour aller la voir? J'irai sûrement pas. Ce travail-là, c'est bon pour les femmes. Mais ça, c'est bon pour les femmes? Les fenêtres doivent toujours être fermées. Reste un petit peu avec moi, Nelly. Je n'aime pas être tout le temps toute seule. Où est-ce qu'ils sont tous? Ceux qui ne sont pas ivres travaillent. Mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas quand je t'appelle? Mais vous pensez que je n'ai pas assez à faire sans monter et descendre l'escalier toute la journée? Laisse la porte de la chambre ouverte et celle d'en bas aussi. Bon, assez, recouchez-vous. Et dites-vous que vous avez de la chance d'être encore en vie. Très bien, alors laisse-moi mourir. Bon, où est-elle? En haut? Oh oui, madame, mais le docteur Kennel, suivez-moi. Dire que j'ai appris ce qui se passait ici chez l'épicier du village. C'est inimaginable. Il vient par ici, Nelly? Oui, mais le docteur Kennel... Pourquoi n'ouvrez-vous pas un peu? Il faut le demander à Nelly. Oh, Catherine. Edgar. Oh, Catherine, pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas écrit ou fait prévenir? Oh, demandez-lui. Personne ne devrait être près d'elle. Le docteur Kenneth... Oh, ça suffit. Nous allons vous envelopper bien chaudement et vous emmener à la maison et nous vous soignerons comme notre propre fille. Edgar et Isabelle vous aideront. Ils seront près de vous constamment. N'est-ce pas, Edgar? Oh, oui. Oui, bien sûr. Allez. Nous allons vous habiller maintenant. Edgar, s'il te plaît. Ah, oui. Silencieuse. À quoi est-ce que tu penses? Quand je mourrai, je veux qu'on m'enterre ici. À côté de ton père et de ta mère. Ils sont partis bien vite. C'est atroce. Je suis prête à tout pour ton bonheur. Je voudrais tellement que tu sois heureux. Oh, Catherine. Alors tu t'en vas. Rien ne m'oblige à aller avec Catherine chez les Linton. Si vous voulez que je reste ici, que je veuille... Non, non, ne change rien pour moi. J'aimerais assez ne plus te voir. Au point où en sont les choses, je préférerais que tu nous quittes. Tu pourras partir quand tu voudras, tu es libre. Tu peux t'en aller. Allez, va-t'en.
Je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que tu lis? Oh, ce n'est pas un roman. Je viens de me remettre à mon droit. Il n'y a plus de mérite à être magistrat que d'être simplement un fils de bonne famille. Oh. Edgar. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Edgar, merci. Et pourquoi merci? Pour tout. C'est Heathcliff. Je le croyais parti. Il l'était. Il l'était, il l'était. Joseph? Je te trouve bonne mine? Oui, en effet. Je vis tout seul maintenant. Et Cathy? Mariée avec Edgar. Il y a longtemps? Quelques mois. Elle s'est peut-être dit que tu ne reviendrais plus. Et votre fils? Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Une mauvaise grippe. Enlève ça et assieds-toi. Vous voulez faire une partie? Allez, bon sang, assieds-toi, tu la reverras, ta Cathy. Ça vous suffira? Pour ça. Bon. Je suis à vous. Que j'allume les bougies, madame. Bien sûr, Nelly. Oui, Nelly. Il y a une personne qui arrive de Gimmerton et qui voudrait vous parler. Oh, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Eh bien, ils ne veulent dire qu'à... Qui est-ce, Nelly? Eh bien, c'est... Heathcliff. Heathcliff? Edgar. Oh, Edgar, 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 il est revenu. Oh, n'est-ce pas merveilleux, Heathcliff? Oh, il faut que je le voie. Bon, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour m'étrangler. Ce n'est qu'un bohémien, ne l'oublie pas. Il suffit de monter, tu veux bien? Quoi, ici? Je peux aller dans la cuisine, si ça te gêne. Il n'y a qu'à dresser deux tables, une pour toi, Isabelle, et l'autre pour Heathcliff. Cathy, ne sois pas ridicule. Est-ce que tu veux bien, Edgar? Ou est-ce que tu aimes mieux que je m'installe à la cuisine en laissant la porte ouverte? Voyons, Catherine, pour l'amour du ciel. Nelly, va et ramène-le, je te prie. Catherine? Merci, Jenny. Écoute, Catherine, ma chérie, je comprends combien tu peux être heureuse, mais je t'en prie, maîtrise-toi. Un peu de retenue devant les domestiques. Je me conduirai bien. Ma femme m'a demandé de vous recevoir comme un ami. Prendrez-vous une tasse de thé? Avec grand plaisir, monsieur Linton. Je vous en prie.
semblez avoir très bien réussi. Oui, je ne me plains pas. Vous avez été à l'étranger, probablement. Une ou deux fois, oui. Ah, j'aimerais tellement aller un jour à Londres. J'en rêve. C'est une ville bizarre. Vous avez souffert. Ça a été très dur, oui. Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que je ne rêve pas? Vous avez été absent 3 ans et vous n'avez sûrement jamais dû penser à moi. Certainement plus que vous n'avez pensé à moi. Vous êtes cruel. J'ai mené un dur combat depuis le jour où j'ai cessé d'entendre votre voix. Excusez-moi de vous le préciser. Mais si j'ai lutté, c'est uniquement pour vous. Catherine. Catherine, il serait peut-être temps de servir le thé si vous ne voulez pas le boire froid. Monsieur Heathcliff a une longue route à faire, quel que soit l'endroit où il logera. J'ai soif. Monsieur Earnshaw m'a invité chez lui à Hurlevent. Hindley? Je crois qu'il aimerait bien me prendre un peu d'argent aux cartes.
Durant toutes ces années, je n'ai pensé qu'à toi. Dans chaque nuage. Dans chaque arbre. Même l'air de la nuit, c'était toi. Pourquoi n'es-tu pas revenu? As-tu pensé à ce que j'éprouverais en te voyant? Comment voulais-tu que je le sache? Pourquoi es-tu revenu? Pour régler mes affaires avec Henley. Et pour me voir? Et pour me voir? Et peut-être bien Edgar aussi. Pourquoi est-ce que tu détestes Edgar? Parce que tu es mariée avec lui. C'est Isabelle. Pars avec moi. Mais... Je t'en prie, pars avec moi. Elle pourrait nous voir. Ça m'est égal. Cathy. Il ne faut pas qu'elle nous voie. Viens. Cathy. Qu'y a-t-il? C'est fini. Pourquoi? Parce que je n'ai plus un penny. Ce n'est pas bien grave, jouer autre chose. Quoi? La maison? La maison? Vous la regagnerez demain. D'accord. Qui a un morceau de papier? J'y vais. Isabelle et moi, nous avions envie de faire une promenade et nous avons pensé vous rendre visite. Je ne suis pas venue ici depuis mon mariage. Venez. Venez vous promener avec nous. Allons. Gentille. Aide-moi. Oh, Isabelle, c'est simple comme tout. Mais tu n'as rien à craindre. Ce que j'ai fait, tu peux le faire. Ah bon? Alors traverse le pont et rejoins-nous. Quand pourrais-je te revoir, Cathy? Je ne sais pas. Bientôt. C'est très difficile. Edgar pense que tu es dangereux. Oh. Il va falloir être prudent pendant quelque temps. Oh, allons-nous-en. Où, Cathy? Très loin. C'est ce que tu voulais hier. Allons-nous-en tout de suite. Non. Mais pourquoi je te veux, Heathcliff? J'ai des choses à faire. Je ne veux plus être séparée de toi. Non. Ah, tiens, vois, mon joli. Et Lola, ne le laisse pas échapper. Je veux voir Monsieur Green. J'ai entendu dire que vous étiez très fort en affaires, Monsieur Green. Jamais en dehors de la loi, en tout cas. J'aimerais savoir ce que dit la loi à ce sujet. Un peu grossier comme écriture, mais c'est valable.
Cet Earnshaw a des papiers de ce genre dans tout le comté. Achetez-les pour moi, monsieur Green. Tous. Je serais inconsolable si le domaine tombait de mauvaises mains. Pourquoi est-ce que tu me sers toujours du thé froid, Nelly? Je suis désolée, mademoiselle. Je vais en chercher d'autres. Et à partir de maintenant, même si je me trouve seule dans la pièce, je voudrais que tu aies l'amabilité de fermer la porte. Combien de fois faudra-t-il te dire que je suis frileuse? Et elle laisse toujours le feu s'éteindre quand vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Rien. Je ferais bien d'appeler le docteur Kenneth. Pourquoi faire? Je vais très bien. Tu devrais aller te coucher, Isabelle. Je ne veux pas aller me coucher. Pourquoi devrais-je y aller? Simplement parce que tu ne m'aimes pas, tu ne veux plus me voir depuis quelque temps. Tu n'arrêtes pas de me provoquer et de te moquer de moi. Merci, Nelly. Et depuis quand, d'après toi? Des semaines. C'est incompréhensible. Nous n'avons pas cessé de nous disputer depuis que Heathcliff est revenu. Ça n'a rien à voir avec Heathcliff. Lui, il est très gentil. Pourquoi t'en prendre à lui? Il ne t'a rien fait. Il ne reviendra plus ici, tu entends? Ah, j'aurais dû m'en douter. Nous ne pouvons jamais voir quelqu'un dans cette maison. Ah, puisque c'est comme ça, débrouillez-vous toutes les deux. Avez-vous fini, monsieur? Eh oui, merci beaucoup. Heathcliff, gentil. Il t'écraserait comme un œuf de moineau, idiot. Et depuis quand, d'après toi, je te cherche, querelle? Depuis qu'il est revenu à la maison. Tu essaies toujours de m'éloigner. Chaque fois qu'on se promène, tu t'arranges pour que je ne puisse pas vous rejoindre. Si je l'ai fait, c'est que je croyais qu'Edgar et toi, vous détestiez être avec nous. Pourquoi tu crois ça? Je ne t'ai rien dit. Tu ignores ce que je pense. Isabelle. Tu ne veux pas dire que tu... que tu l'aimes. Si. Si. Laissez-moi m'en aller. Vous êtes... Oh, vous me faites mal. Je sais que tu aimes ça. Quelqu'un pourrait nous voir. Mon amour. Heathcliff. Oh, chérie, comme je t'aime. Comme je t'aime. Vous avez envie que je vous culbute? Qu'est-ce que c'est? Vous voulez le faire ici? Ou dans un lit? Je vais vous le dire, ce qu'il y a. J'ai vu mademoiselle Isabelle et lui en train de s'embrasser. Il me semblait avoir dit de laisser Isabelle tranquille. Oui, tu me l'as dit. Qui a commencé, toi ou elle? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne suis pas ton mari et tu n'as pas à être jalouse de moi. Non, mais je ne suis pas jalouse. Tu peux lui faire ce que tu veux, mais ne crois pas qu'Edgar te tolérera dans sa maison. Et après, je me fiche de ton petit Edgar. Je fais ce que je veux. Ah non, tu fais seulement ce que je veux. Nelly, veux-tu nous laisser seuls un instant, s'il te plaît? Heathcliff, j'ai quelque chose à te dire. Non, ce n'est pas toi, c'est moi qui ai quelque chose à te dire. Mais je veux que tu le saches, je sais que tu m'as traité d'une manière odieuse. Mais si tu te flattes que je ne m'aperçois pas de tes manigances, c'est que tu as perdu la tête. Ou que tu es stupide. Je suis allé en enfer pour toi. Mais si tu crois que je vais me contenter d'être le seul à souffrir, eh bien, tu te trompes, il y en aura d'autres. Pourquoi moi? Eh bien, dis-moi ce que je t'ai fait. Ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi. Tu le reconnais? Alors prends cette idiote d'Isabelle. Blesse Edgar.
Anéantis-moi! Nelly, dites-moi, qui est-ce qui parle si fort? C'est madame avec monsieur Heathcliff, monsieur. Catherine Heathcliff? Dans la cuisine, monsieur. Ce démon a séduit mademoiselle Isabelle, quoi? Monsieur. Oui, il ne respecte personne. Je l'ai vu, je sais ce que je dis. Si je pensais que tu veux vraiment que j'épouse Isabelle, je me couperais la gorge. Où étais-tu? Tu écoutais derrière la porte. Votre naissance est entourée de mystères, monsieur, mais j'ai maintenant la certitude que vous n'êtes pas un gentleman. C'était folie de ma part de penser que vous pourriez agir comme tel. Si vous n'êtes pas sorti de cette maison dans 3 minutes, c'est moi qui vous flanquerai dehors. Edgar, ne soyez pas téméraire, vous êtes incapable de vous conduire en homme. Nelly, va chercher les domestiques. Tu ne peux pas arriver à le mettre dehors toi-même. Ou bien tu te bats, ou bien tu cesses cette comédie. Catherine! Sois maudite, Catherine! Je te complimente sur ton choix, Catherine. Robert! Pour l'amour du ciel, va-t'en! Je ne vais pas partir sans lui avoir rendu ce qu'il m'a fait. Je t'en prie, pique. Il revient avec les hommes et il a un fusil. Venez vite. Combien sont-ils? Deux. Ouvrez, je vous poursuivrai en justice. La justice, c'est toi, imbécile. Toi, moi et Edgar, nous sommes loin d'en avoir fini tous les trois. De dire à Isabelle de ne pas se trouver sur mon chemin. Je monte me coucher. Pourquoi? Il dit à Edgar que je suis malade. Mais vous n'êtes pas. Nelly, ne discute pas sans arrêt, aide-moi. Sinon, je me rendrai malade. Vous êtes une méchante fille. Mais pourquoi est-ce que tu me dis toujours ça? Pourquoi n'y a-t-il que moi qui sois la seule à souffrir? Je vais leur donner à tous les deux une raison. Catherine. Non! Reste un instant. Oh, je ne suis pas venu pour discuter et encore moins pour m'excuser. Dans ce cas, il est préférable que tu ne dises rien du tout. Je vous ai mis votre dîner devant la porte. Vous m'entendez? Isabelle, je te mets en garde. Écoute-moi, si par malheur tu étais assez insensé pour encourager ce garçon, tu perdrais tout ce que tu possèdes dans cette maison, sans parler de ma tendresse et de ma protection. Je ne serais pas plus pauvre pour cela. Rejoins-le, mais tu ne lui apporteras rien. Sois tranquille, de toute façon, je lui apporterai quelque chose que tu n'as pas connu. Madame n'a pas bougé de sa chambre depuis 3 jours. Elle n'a rien voulu prendre, elle n'a ni mangé ni bu. Faut-il que je dise à Robert de forcer la porte? Pour qu'il l'abîme? Non. Elle
Elle sortira bien assez tôt, rassurez-vous. C'est de la folie, voyons. Mon Dieu, dans quel état êtes-vous? Oh, je brûle, Ellie. Je suis mal. Elle est enceinte? De 4 ou 5 mois environ. Vous ne le saviez pas? Eh bien, je... Non. Enfin, je veux dire... Non, je ne le savais pas. C'est merveilleux. Tu as entendu? Oui. Ah, dépêche-toi, cours prévenir mademoiselle Isabelle. Nous devons absolument nous réconcilier. Mais il y a eu pas mal de ragots à propos de... D'Isabelle et Edith Cliff? Oui, mais tout cela est fini maintenant. Tout à fait fini. Mademoiselle Isabelle? Symptômes inquiétants. Vous risquez de la perdre. Ou de perdre l'enfant. Ou peut-être même les deux. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose, docteur. Tout ce qu'elle doit faire, c'est se reposer. Il faut qu'elle reste couchée jusqu'au printemps. Jusque-là, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit calme. Surtout pas de contrariété ni de discussion. La neige a disparu là-haut. Oui, enfin presque. Il y a des petites taches encore de loin en loin. Elle me rappelle le vent du sud et les landes. Ça t'arrive de penser quelquefois à l'année dernière quand tu m'as demandé en mariage? J'aimerais qu'on puisse revenir en arrière. Je voudrais tellement être libre. Je voudrais marcher à perdre haleine en plein vent. Courir à nouveau. Tu le feras. Quelles sont les nouvelles? Joseph, aidez-moi, je vous en prie. Jean Greg, j'ai autre chose à faire. Elle a été très malade. Elle est debout maintenant. Rien de plus? Elle est enceinte de 7 mois. Et ce cher Edgar, qu'est-ce qu'il en dit? Il attend de voir la couleur de ses yeux.
Et où pensez-vous aller comme ça? Il est revenu. Voulez-vous m'envoyer une servante, je vous prie? Une servante? Oui. Je voudrais qu'on m'indique où est ma chambre. Il n'y a pas de servante. Il faudra que vous la trouviez toute seule. Mais comment la trouverai-je puisque je ne connais pas la maison? Ah, je vous en prie, cessez de chindre. La chambre est au premier étage, tout de suite sur votre droite. Un bon conseil, fermez la porte. À double tour. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, nous réglerons nos comptes avec ça. Mais pourquoi? J'ai joué et perdu la moitié de la maison. Et il a racheté l'autre moitié. Maintenant, je veux lui reprendre. Et l'argent qu'il possède. Ensuite, je l'enverrai au diable. Supposez que je lui fasse part de vos menaces. Allez-y. Veillez bien sur lui pendant qu'il dormira. Bonne nuit, Isabelle. Est-ce que je peux vous parler un instant? Eh bien, qu'y a-t-il? Ils sont de retour, monsieur. J'ai reçu un mot de mademoiselle Isabelle. Elle est horriblement malheureuse. Elle demande que vous lui pardonniez. Il n'y a rien à pardonner. Ne voulez-vous pas lui écrire juste une petite lettre en lui disant que... Tu peux aller la voir, rien ne t'en empêche. Et tu peux lui dire à lui que s'il remet jamais les pieds chez les Linton, il a ma parole que je le tuerai. Bonjour, Nelly. C'est d'accord, Nelly, tu peux lui donner la lettre. Il n'y a pas de secret entre nous. Je n'ai pas de lettre, monsieur. Votre frère vous envoie son affection, madame. Mais il dit qu'il lui est impossible de vous parler ou de vous revoir, étant donné la situation. Je suis désolée. Assieds-toi, Nelly. Je veux que tu me rendes un service. Gâcher ma vie et malgré ça, l'un comme l'autre, vous venez ici comme si c'était vous qu'il fallait plaindre. Je n'aurais pas pitié de vous. Tous les deux, vous m'avez tué. Et vous semblez ne pas vous en rendre compte. Oh, je voudrais pouvoir te retenir jusqu'à ce que nous soyons morts tous les deux. Est-ce que tu m'oublieras? Seras-tu heureux quand j'aurai disparu? Tu mens quand tu dis que c'est moi qui t'ai tué. Tu sais que j'arriverai plus facilement à oublier ma propre vie. Plutôt que de t'oublier toi malgré tout ce que tu as fait. Mais est-ce que ce n'est pas assez que de m'avoir envoyé en enfer? Je ne te mets pas en colère. C'est plus insupportable que des paroles blessantes. Cliff, viens près de moi. Allons.
Voilà comme on m'aime. Ce n'est pas mon Heathcliff. Celui de ma jeunesse, je l'emporterai avec moi. Il est dans mon cœur. Je vais mourir. Je ne serai plus là. Heathcliff. Viens près de moi. Viens. Cathy, pourquoi l'as-tu épousée? Tu m'aimais. Oui, je t'aimais. Rien dans ce monde n'aurait jamais pu nous séparer. Et de toi-même, tu l'as fait. Ah non, je n'ai pas gâché ta vie, Cathy. C'est toi qui l'as gâchée. Si j'ai mal fait, je le regrette maintenant. Ça suffit. Pardonne-moi. Je te pardonne. Tu as eu tort. Tu as eu tort, Cathy. Allez-vous-en vite. La calèche du maître est en bas. Cathy, il faut que je parte. Non, non, pour l'amour du ciel. Mais il le faut, Cathy. Non, non, je non, je t'en jure. Allez-vous-en, allez-vous-en. Il a juré de vous tuer si vous voyez dans sa calme-toi, Cathy. Ne sois raisonnable, je ne suis pas ta mère, Cathy. Je ne veux pas aller vous voir ici. Mais je vais revenir très vite. Thank you.
Catherine Earnshaw, je fais une prière. Que le repos te soit refusé tant que je vivrai. Ne me quitte pas. S'il était déjà le maître ici. Êtes-vous comme lui? Ou êtes-vous aussi faible que votre frère? Cathy! Cathy!